Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire part des toutes nouveautés qu'il y a eu dans la mise à jour. Donc comme vous le voyez actuellement, j'ai acheté les 3 nouvelles voitures du DLC Vie de Rêve qui est sorti aujourd'hui, donc 13 mai, comme Rockstar l'avait annoncé sur leur site officiel. Donc on va tout simplement commencer par vous présenter un peu tout ce qui est véhicule, tout ce qui a été rajouté sur le site, les appartements, etc. Je vais essayer de détailler le plus de choses possible. Après, c'est sûr que la mise à jour vient de sortir, j'ai pas encore tout découvert, mais en tout cas j'ai découvert le plus gros. Donc tout d'abord vous allez vous rendre sur Dynasty 8 et vous allez pouvoir voir que déjà le site a bel et bien changé. C'est vraiment incroyable le design qu'ils ont fait sur ce site. Vous pouvez vraiment choisir des choses bien défini dans vos recherches, c'est-à-dire que si vous cherchez un appartement haut de gamme, standard, bas de gamme ou les nouveaux tout simplement, vous pouvez tout simplement cliquer en haut et trouver l'appartement qui vous convient. Donc les nouveaux appartements sont juste là, donc ils coûtent assez cher, donc 500 000, 484 000, 476 000 et 468 000. Personnellement, je me suis pris... lequel que je me suis pris? Merde alors. What the fuck? Il est où le mien? Enfin bref, donc je me suis pris un deuxième appartement. Vous avez pu le voir au début de la vidéo, je me suis pris un deuxième appartement pour vous mettre les nouvelles voitures à l'intérieur. Après, si vous voulez acheter une deuxième propriété, ce que tout le monde voulait, donc vous allez tout simplement cliquer sur propriété. Vous sélectionnez la propriété que vous voulez, vous faites acheter la propriété. À ce moment-là, ça vous demandera de choisir une propriété. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez voir votre première appartement s'afficher en haut et en deuxième il y aura écrit vide. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur vide et après vous aurez les nouveaux appartements et vous en aurez deux. Il sera affiché sur votre carte et vous pourrez le sélectionner avec le GPS. Donc on va passer maintenant aux voitures, donc les nouveautés qu'il y a dans les voitures. Donc il y a plus de nouveautés que prévu. Donc déjà il y a pas mal de voitures que vous pouvez acheter, donc la Fusillade, la F620, la Dominator, la Sentinelle XS que vous pouvez dès maintenant acheter. Ça c'est bien parce que la Sentinelle XS est quand même une voiture que beaucoup de personnes apprécient. Donc c'est une BMW pour ceux qui ne savaient pas. Il y a quoi d'autre après dans les voitures comme ça? Il n'y a rien d'autre dans cette catégorie de voitures, il n'y a rien d'autre. Mais par contre dans Legendary Motorsport, attention, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Donc déjà il y a la moto, donc la Trust, la Massacro, la Zen Torno et la Huntley. Est-ce que c'est les voitures qui sont juste devant moi? Donc là-bas c'est la Lamborghini. Ici je dirais bien que c'est une Aston Martin si je me trompe pas, enfin je sais pas. Et ici c'est une Bentley, de toute manière on le voit très bien au design. Mais ça ne s'arrête pas là, les nouveautés qu'il y a sur le site. C'est-à-dire que si vous descendez un peu plus bas, donc déjà vous voyez bien que la Roosevelt a été supprimé et je viens juste de le voir, la Elegy n'est plus gratuite. La Elegy coûte 95 000, c'est dégueulasse. Vous méritez d'être pendu. C'est dégueulasse, non sérieusement, j'ai juste de le remarquer. Ça c'est pour empêcher les glitches je pense. Donc il y a plusieurs nouvelles voitures qui sont décapotables dès à présent. Donc il y a la Stinger, il y a la Coquette, il y a la Banshee, il y a quoi d'autre, il y a la Voltique aussi. Je crois qu'ils se sont... Ouais, voilà, il y a la Banshee, la Voltique, la Coquette qui se trouve là, que vous pouvez acheter en décapotable. Et c'est tout ce qu'il y a en termes de voitures. Donc on ira les améliorer un peu après. Je vous montrerai les améliorations qu'on peut faire et les nouveautés qu'il y a au Los Santos Custom. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer toutes les nouveautés qu'il y a dans l'appartement. Là, franchement, on peut pas dire que Rockstar n'a rien foutu. Ils ont vraiment changé tout le design de l'appartement. J'ai pas encore trouvé le mode pour pouvoir personnaliser son appartement. Mais en tout cas vous pouvez voir que le design a bel et bien changé. J'irai faire un tour dans mon autre appartement après pour regarder si c'est le même design. Et si jamais c'est pas le même design, on peut dire qu'ils ont vraiment fait de très très gros progrès en termes d'amélioration sur les appartements. Donc vous pouvez voir qu'on peut rentrer dans des salles. D'ailleurs il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est à dire que tu achètes un appartement, ok jusque là tout va bien, mais il y a des salles où tu peux pas rentrer. T'es censé avoir acheté l'appartement mais tu peux pas rentrer dans des salles. What the fuck, c'est n'importe quoi. Je sais pas,
Si je suis pas la seule personne dans ce cas, si vous êtes dans le même cas que moi, dites-le moi en commentaire, histoire que je sache un peu quoi. Puisque voilà quoi, je me sens un peu seul à dire ouais, mais je peux pas rentrer à des endroits, etc. C'est un peu glauque en fait. C'est pas très grave. Donc on va rentrer dans mon garage, on va prendre la Lamborghini, on va aller faire un petit tour à Los Santos Custom. Petite dédicace à Neos au passage. Donc on va faire un petit tour au Los Santos Custom pour voir comment on peut améliorer cette jolie Lamborghini. Après, on ira faire un tour au magasin d'armes. Donc vous voyez bien qu'on peut l'ouvrir de haut en bas. Mais par contre, la porte se referme assez vite. C'est violent, t'as pas intérêt à rester à côté, hein. C'est violent le machin. Donc on va aller à Los Santos Custom. Oh là 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 là, mais elle est belle cette voiture. Oh my god, oh là là. Donc déjà, elle a l'air d'aller assez vite parce que j'ai déjà un peu de mal à la contrôler. Donc on va y aller doucement. Oh. T'étais censé être là, toi? Non! Enfoiré! Donc, au Los Santos Custom, après on ira faire un petit tour à l'armurerie et on passera dans mon appartement pour voir s'il y a eu des modifications de fait. Et après, je pense avoir tout dit. J'ai regardé l'émission, il n'y a rien de nouveau. Après, si j'arrive à trouver le mode pour modifier son appartement, je vous en ferai part. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on peut la vendre 435 000. Je sais, j'ai pensé à ça tout de suite. Il y en a dit, mais pourquoi t'as pensé à ça tout de suite? Donc voilà, je fais les petites améliorations tranquilles. Donc le châssis. Ok, d'accord, il n'y a pas beaucoup d'améliorations à part sur le côté là. C'est quoi la différence? Attends, j'ai une question. C'est quoi la différence entre ça et ça? Soit je suis teubé, soit je vois pas la différence. Enfin bref, on va pas toucher à ça. C'est pas très grave. Alors les pots d'échappement, oula. Alors là, t'as le choix, soit t'en prends un gros, soit t'en prends deux petits, soit tu prends le méga gros. On va prendre le méga gros, comme ça sera classe. Le capot. Ah bah voilà, ah bah ça c'est encore plus classe, ça j'aime bien. Donc les nouveaux klaxons sont juste ici. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Franchement, quand j'ai vu les klaxons, j'ai déliré. Personnellement, je vais remettre celui que j'avais juste avant, c'est-à-dire celui-là. Parce que je les trouve pas très beaux. Terme sonore après la peinture. On verra ça plus tard. Vendre, je peux vendre 500 000. Hop, bas de caisse. Ouais, voilà. Truc basique. Ah, l'aileron. Donc, oui, donc vous voyez bien que quand on change l'aileron, déjà, ça fait l'impression que c'est une voiture qui a des ailes derrière. Salut Astérix, ça va? La blague de merde. Donc, vous pouvez mettre l'aileron que vous souhaitez. Personnellement, je pense que je vais mettre celui-là. Bah, je veux voir un peu comment ça se passe, si elle est bien, si elle va pas trop vite, sinon je changerai. Niveau des roues, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Moi je vais mettre des roues comme ça, peut-être que je la tunerai un peu plus après en termes de couleurs, etc. Hop, on va mettre les petites bandes comme ça. Au niveau des couleurs de fumée de pneus, il n'y a absolument rien du tout. Les fenêtres, il n'y a absolument rien du tout. C'est toujours la même chose. Donc voilà ma petite voiture. Tuné avec des ailes derrière, c'est plutôt classe. Je trouve ça classe, ouais. Ma voiture va pouvoir voler, donc on va pouvoir faire des mods et voler sur GTA sans JTAG, sans jailbreak ou sans XK, c'est assez drôle. MDR. Donc elle va vraiment très très vite, d'après ce que je vois. Elle a l'air d'envoyer du pâté. On va aller regarder un peu les nouvelles armes qu'il y a. Donc il faut que je tourne à gauche. Hop. Donc on va aller regarder un peu les nouvelles armes qu'il y a. Donc normalement, d'après ce que j'ai vu sur Social Club, il y aurait 2, si je me trompe pas. Enfin bref, on va bien voir. Alors on va se garer en mode beau gosse. Hop, oh là là, juste devant. C'est juste magnifique. Oh, on va ouvrir les portes et tout. Voilà, celui qui veut prendre une photo, il n'y a pas de souci. Faites-le, il n'y a aucun problème. Bref, je voudrais acheter des armes, monsieur. Donc les deux nouvelles armes sont... il n'y en a qu'une en fait. Il y a juste le fusil Bullpup. Ok, donc on va prendre le plein. On va le mettre en or. Ah, il y a des nouvelles couleurs. À moins que ça fait longtemps que je suis pas venu ici, mais enfin bref. Donc là, on va mettre un peu d'or. Et on va aller tester cette arme. Où est-ce qu'elle se trouve? Hop là. Salut toi, on va faire connaissance tous les deux. On va tirer. Aïe. Ça, c'était peut-être pas nécessaire, enfoiré. Donc. Ouais, on va dire que c'est une arme comme les autres. Je préférais l'arme qu'il y avait dans le DLC de la Saint-Valentin. On va dire qu'elle était un peu plus rapide. Il y a aussi une nouveauté, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un état psychologique
que Rockstar dit de ne pas normal, on va dire. Vous avez une sorte de prime d'RP, une prime d'RP, je rigole pas, vous avez une sorte de prime d'RP sur la gueule. Et en gros, si les gens, les autres joueurs vous éliminent, ils gagnent une prime d'RP, c'est comme les primes d'argent, sauf que c'est avec de l'RP. Enfin bref, c'est Rockstar, on n'y peut rien. Je pense pas qu'il y a d'autres nouveautés. S'il y en a, de toute manière, je le publierai sur Facebook et Twitter. Et si je trouve le mode éditeur pour modifier le mode éditeur pour modifier son appart, j'en ferai une vidéo bien détaillée pour vous expliquer un peu tout ça. Alors, mon garage. Ponchou le garage. Donc, voili voilou. Voilà, ça c'est mon ancien garage. On va aller dans l'appartement pour voir ce qu'il y a, si l'appartement a changé. Parce que je pense que Rockstar nous a écoutés en ce qui concerne les critiques des appartements, des voitures. Moi personnellement, j'attends qu'une seule chose sur les voitures, c'est qu'ils nous autorisent à les tuner un peu plus, c'est-à-dire à mettre des néons et à mettre des vinyles, des dessins, etc. Ça peut être vraiment très très classe et au moins on pourra se distinguer des autres joueurs. Donc mon appartement n'a pas vraiment changé, en tout cas moi j'en ai deux, donc après vous faites comme vous voulez. Si vous jamais vous avez un autre appart avec un autre design que moi, envoyez-moi vos photos sur Twitter ou même sur Facebook. Et je vous invite vraiment à me rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens se trouveront dans la description. Donc voilà, je pense avoir tout dit en ce qui concerne cette mise à jour. Si j'ai d'autres nouvelles, je vous tiendrai au courant sur Facebook ou Twitter ou même en vidéo. Je pense avoir tout dit, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde.